Allez, c'est parti! On a déjà vu 15 fois, hein. On le rappelle. Il faut taper pour taper. Et gagner pour gagner. On sélectionne toujours les mêmes. Mais attendez. Ah oui, moi je l'ai en couleur, mais pas vous. J'espère que vous appréciez. J'ai pris Michelangelo, hein. Repérer bien sûr les tortues aux armes. On est à la fin. Et bon, du coup, voilà. On est à la fin, on a fait presque pas beaucoup d'objectifs. Voire aucun. On pourrait s'amuser à trouver les objets, mais on va pas. On est face au Technodrome, non. Pourquoi je suis là? Ah d'accord. Ah mais on a fini, c'était le... Non mais attendez, j'ai fini le jeu là, prochain tour. Colère de la dame. On va faire que un épisode. On va faire que un niveau là. Ah oui d'accord. C'était vraiment le boss de la fin. J'ai fait n'importe quoi. J'ai arrêté la dernière fois, je l'avais pas dit. Ah faut pas que je me fasse blesser. Oh. Statue of Tyranny, est-ce que vous avez lu le texte en bas? Je trouve que ce jeu est très petit. Ah, faut pas utiliser de super attaque, mais nick. Et... C'est Elon Musk? Non, c'est Zuckerberg avec son Metaverse. Bon, la musique est bonne. Aïe! Elle est dans le futur, elle est dans Mugen, la statue of Tyranny. Je connais les bails. Si vous connaissez pas Mugen. Bien, hein? Bien, hein? Bien, oh là là, j'étais au milieu! On me voit au milieu! La frame est là, au milieu! Oh, je l'ai vu. Et ça fait mal en fait, son truc. C'est la deuxième vie que j'utilise. Mais vas-y, ça sert à rien de vous toucher. Aïe. Allez, on a gagné. C'est fini le jeu. Voilà. On a fini le jeu, j'espère que vous avez bien apprécié ce stream. Merci, au revoir. Je me disais aussi à un moment, il y aurait Shredder. Metal Shredder? Mutant Shredder? Super Shredder, excusez-moi. Rage de revanche. Et... Ah oui, mais lui aussi il sera dans le gen. Quel enfer. Mais qu'est-ce qui se passe? Non mais. Alors il est tout violet et il balance du vert. Si vous voulez savoir les couleurs. Et vous voulez que je vous fasse une commande pour changer les couleurs justement? Parce que ça on peut pas. C'est vrai que ça peut être chiant évidemment. Ah, on peut pas le taper pendant très longtemps, hein. C'est ça l'histoire? Oui, c'est la route ça. Oulala. Là je peux pas le toucher en fait. Oh non mais quel enfer.
J'ai oublié que le jeu n'était pas très, très sympa. Je vais vous faire une commande, je pense, pour ça. Quasiment. Regardez, moi, je le touche même pas. À partir du moment où il est relevé. J'ai juste attendu qu'il se fatigue, en fait. Ah non, on saute déjà. Oh, ça doit être ça. Ça doit être la touche que je ne touche jamais. Oui, c'est ça. Il fait peur. Hein. Comment? Ça marche comment? Mais c'est pas marrant ton attaque. On fait rien là. Oh là là, le jeu. Oh, les trucs de tryharder nul. Oh là là. On aime bien les jeux faciles. Ouais, chill out, ouais, quand même. Pourquoi je saute sur ces flammes aussi, moi? Vas-y, il est pas sympa. C'est lui qui faisait ça. Et après, il y a ses pics, voilà. Et après, il est énervé, il est fatigué. On refera le niveau avec des hotlers, ou avec la commande si c'est le cas. En fait, c'est ça, hein. Quand je pense sur lui, je sais pas. Hein. Je veux pas que tu me touches. Ne me touchez pas, ne me touchez pas. Ne me touchez pas, ne me touchez pas. Voilà, dernière. Non, non. C'est pas le bon bouton. Mais non, j'ai cru. Mais non, tu m'as pas. Ah, je l'ai évité cette fois-ci. Il y a tellement rien. On peut tellement rien taper. Ouh là là. C'est sa phase 2, ça? Quel enfer. Ouh là là. Ah oui, d'accord. Non, mais en fait... Non, mais elles font des têtes... Elles font des têtes... Des têtes chercheuses, mais... Ça traverse les plans. Quel enfer. Je dois taper des choses? Ah oui, je dois taper ces... Oh, d'accord. Bonjour. Okay. Bonjour. Bonjour. Un peu mon souffle. Oh là là, jamais le temps. Je peux le taper là? Bah non. Quel est l'intérêt de me faire poursuivre? Ici à la fin. Il défonce. Non. Pourquoi il a couru là? Ah, la manette qui déconne, bien entendu. Un peu plus, facilement. Salut Nelly. Bah, bienvenue dans le lurk. On a essayé de faire un petit effet comique de Tortue Ninja, mais ça marche pas bien, je crois. Et je vais essayer de faire une commande pour pouvoir que vous puissiez changer la couleur. Si vous voulez un peu la couleur, vous aimez pas trop. J'espère que tu vas bien en tout cas. Ah, j'ai carrément un game over, voilà, comme ça c'est fait. Alors attendez, je vais rajouter dans StreamerBot une... On retourne à la couleur. Je vais mettre le point d'exclamation color. Ou je vais l'appeler 80s. Color, c'est mieux. Alors attendez, puisque c'est... Je le renjoue. Dans quoi? Ok, bah du coup, il n'y a pas de rangement. Ah si, il faut un groupe. Voilà, je vais mettre là. Color. Bien entendu, je l'ai écrit en majuscule parce que... Je n'ai pas encore d'action. Ok, je vais faire une action. Add action. Qui s'appelle color. Dans groupe. Administration. Oui. Oui. Je rajoute add sub...
Add subaction. Alors du coup, la subaction, ce serait de enlever l'effet de noir et blanc. Donc OBS. Filter. Set center filter. Ok. Set scene filter. Je choisis gamme. Donc je. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est. Mais non, mais dans la scène gamme, oui, mais il n'y a pas de scène, il n'y a pas de filtre dans la scène, bien sûr, c'est pas logique, ce n'est pas 100%. C'est OBS. Source visibility, voilà. Et là, je vais pouvoir aller dans gamme, alias jeu, et rendre invisible l'image 3. Ah oui, non, mais ça, du coup, l'image 3, ouais, ça, en fait, il faut que je fasse plusieurs attaques, plusieurs trucs. Source visibility, image 2, et faut que j'enlève le filtre state de gamme et que dans gamme il y ait TMNT et que j'enlève la correction colorimétrique et je fais hidden. Voilà, et si je teste maintenant. Et si je teste maintenant, on va faire le test. Alors là, pour l'instant, j'ai juste fait pour l'enlever. Attention les yeux. Normalement, ça devrait marcher. Ça marche, ça n'a pas l'air de marcher. Il veut pas de moi. Peut-être que j'ai fait un truc bête. Qu'est-ce que j'ai fait de bête? Ah oui, j'ai pas fait l'action. J'ai pas dit ce que c'était l'action. Voilà, là c'est bon. Hop, maintenant c'est bon. Tout le monde peut le faire. Et je vais faire no color. Duplicate. Cette fois-ci, je vais Edited. Je vais faire No Color. Voilà. Et du coup, cette fois-ci, j'inverse les filtres. Je fais Visible. Visible. Ah oui, j'avais pas enlevé. Et Visible. Et du coup, Color. Il y avait un truc que j'avais oublié d'enlever. Hidden, voilà. Maintenant, je refais une commande. Pic, pic, pic. Edit. Pas edit, add. No color. Dans le groupe qu'il y avait déjà. Hop, hop. Hop. Comme ça, on va pouvoir refaire le niveau avec de la couleur. Je save et normalement là tout fonctionne. Alors normalement StreamerBot est très sympa avec moi et il va accepter tout de suite bien entendu que ça marche. Alors color, oh ça marche. Allez, on tabasse la liberté perdue. Oh, oh. Je vais pas utiliser les super attaques comme ça, mais au moins on aura un défi. Ah oui, non, si. Je me donne. Je l'ai dit juste avant le temps. Pour réfléchir, bien entendu. Ah, il y a une pie à côté de chez moi. Bonjour la pie voleuse. Vole bien. Ça, je sais pas comment. Ah oui, c'est faut sauter. Double sauter, peut-être que ça marche. J'ai trop mal. C'est un peu long. Bien. Est-ce que pour la musique là qu'on attend? Là fallait sauter, faut que j'arrête de faire mon. Non, faut pas. Je vais éviter là, mais. On va refaire? Oui.
Oh mais arrêtez de tourner la tête. Restez constant. Okay. Comme ça t'es parti. Ah je peux. Ah oui c'est vrai que je peux le lancer sur elle. C'est pas logique hein. La statue de la liberté. Bim 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 bim. Oh là là, j'ai presque évité. Allez, refaire. J'évite pour une fois. Ah non. Oh là là, j'ai pris le 2. Okay. Je suis caché dans ton épaule. Je vais m'enfuir. Vas-y, attaque. Mais non, mais j'ai sauté là, pour une fois. Et je suis mort. Comment t'as pas ? J'arrête de perdre 15 vies ici. J'ai réalisé 3 lancers, vous avez remarqué ? Yéhou ! Yéhou ! En tout cas, Krang, il nous a pas fait trop peur. Hein. Bon, je vais essayer de rester concentré parce que c'est une chose que je n'arrive pas à faire en fait en jouant. Vous avez dû remarquer. Pour moi c'est trop un jeu. Je sais pas d'être sérieux dedans. Alors, quels sont les défis? J'ai tout échoué, c'est magnifique. Ah oui, c'est vrai qu'il faut, il faut pas le taper. C'est un jeu où il faut pas taper les boss, bien entendu. Au bout. Oh non, c'est nul. Regardez-moi cette vie. Il faut prendre son temps et tout. Mais non, mais fallait pas le faire. Ah, ouais. Oh, on a foncé dedans. Oh, je l'ai tapé à peine. J'en peux plus. Je supporte pas ce genre de jeu. Enfin, ce genre de passage plutôt. Où tu dois taper une fois et demi et... Laissez-nous faire les choses un peu. Là, il devrait être touchable tout le temps en fait. Je ne comprends pas pourquoi il a des phases d'invulnérabilité comme ça. Regardez-moi, je fais la moitié des trucs. Hein. Tout ça pour que ce soit mieux. Non mais c'est pas possible. Merci Nagual. Je sais que j'essaie de faire attention maintenant. Il y a tout ce que j'aime. Allez. Allez. Oh là là, je l'ai loupé. Je l'ai retapé ou pas? J'ai touché ou pas là? Ou c'était dans mes fesses? C'était dans mes fesses. Taper mes fesses en moi. Ah oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Accélère, on te dira rien. Vas-y, c'est quand tu veux. Hein. T'as déjà des frames d'invulnérabilité et tu veux en plus aller vite. Mais laissez-moi. Un peu plus.
j'ai plus de vie. Oh là là. On danse un peu. Ah, je l'ai loupé. Et je l'ai loupé. Et il va m'avoir. Mais comment tu veux que j'évite ça, là, quand on est dos? Allez, on l'a, là, maintenant. Voilà, voilà, voilà. On n'arrête pas, on n'arrête pas. Attendez, j'ai souvent enlevé ma tête. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce stream. Ça a duré longtemps, je crois. J'ai regardé combien de temps on a dû passer sur ça. Je vois une heure. C'est au moins 30 minutes de modification de vidéo. Voilà. Attendez, on va y peut-être. Voilà. Et la fin de l'histoire. New York peut à nouveau être tranquille maintenant que la statue de la liberté a décidé de ne plus être la statue de la tyrannie. Retrouvez son joli look. Ouais, bah merci. Moi, Vernon Fenwick. Donc comme les Fenwick. A été vaincu par les protecteurs. Shredder a été vaincu par les protecteurs de la ville, les gardiens verts du bien. Les guerriers palmés eux-mêmes, les grenouilles punk. Loul. Loul. C'est une blague. Et voilà. Oh, on va laisser ça. Krang ayant été vaincu, Mikey peut faire ce qu'il aime le plus, la fête. Et on apprécie les fins de jeu comme ça où on nous explique. Attends. Ce soir, c'est le moment de faire la fête. Les amis, la famille, les pizzas. J'imagine qu'on peut tout jouer tout le monde. Ouais, on va mettre la musique. J'espère que vous appréciez. Merci de tes mou. Développé par Tribute Game. Ah, donc du coup, on peut dire merci à Adam Gimarin, j'imagine, pour avoir... Pour avoir fait les designs des années 90, donc c'est cool. On mettrait en noir et blanc pour faire genre. Mais là, c'est quand même beau. Alors, fanfare, c'est pas ici. Je précise, je suis juste. Fanfare n'est pas ici. D'ailleurs, les points d'exclamation, c'est marrant, je les vois pas. Ah, premier live que tu vois sur le jeu, c'est la fin. Ah bah, je suis désolé, mais ouais, du coup, on va sans doute refaire des niveaux. C'est un beat'em up assez simple, hein, c'est que tu vas tout droit et tu tapes tous les foot guys. Hein. Non mais c'est bien, c'est très bien, parce qu'en fait c'est un rappel de tous les anciens jeux. Et surtout, ça fait du bien parce que c'est Tortue Ninja, et Tortue Ninja, je vous rappelle, avait fait un... avait pas des super bons jeux, quoi. Bon après, c'est du vigilantisme, hein, les Tortue Ninja, on pourrait en parler politiquement. J'ai appris d'ailleurs, si vous allez regarder sur la page Wikipédia de Tortue, que c'est inspiré de Daredevil. Où le rappeur a l'accident, le fait qu'ils sont dans une. Ils obtiennent des capacités après cet accident chimique, et que du coup, la blague entre les tortues qui vont doucement et qui vont maintenant taper vite avec des armes, etc., diverses et variées. Alors, c'est pas très expliqué pourquoi l'inspiration culturelle au Japon constante sur les armes et l'histoire avec Shredder. Ah oui, Tortue Ninja, ils sont à plusieurs. Et Daredevil aussi, d'ailleurs, il est tout seul, comme Batman, ouais. Donc c'est vigilantisme à plusieurs, c'est vrai. Et autre chose, ils vivent dans des égouts. Moi, je trouve que c'est assez incroyable aussi d'avoir vu un dessin animé où des gens vivaient dans des égouts. C'est un peu comme comment ça s'appelait
les chats qui vivaient dans une carrière, dans une... carrosserie, c'est comme ça qu'on dit, les endroits où on entrepose des voitures. C'est un peu incroyable hein, d'avoir des pensées culturelles et des idées culturelles dans la tête en fait, parce que c'est surtout ça, c'est, on a des trucs qui sont rentrés en nous à travers plein de biais, et dont les dessins animés. Et ouais, du coup, c'est assez intéressant. Moi j'aimais bien aussi le passage des chats dans le. Des dessins animés de chats dans le. Alors, comment ça s'appelle? La déchetterie? C'est une déchetterie? Je pense pas que c'était une déchetterie. Je sais pas. Ouais, il faut la tortue ninja, les égouts, les pizzas, la vraie vie quoi. Alors, oui, je laisse le générique parce que les sons, ils sont vachement bien. Voilà. Il y a des très bons sons. Après, c'est pas un truc que j'écouterai tout le temps ni que je mettrai en fond de stream, j'avoue. T. Lopez, compositeur du jeu. Et qui est T. Lopez? Je ne connais pas. Qui est T. Lopez? Kid Katana Records. Ah oui, du coup, en général, si vous cherchez des sons pour les streams, allez sur YouTube. En général, depuis un moment, depuis que Twitch est devenu une grosse plateforme aussi et que la DMCA fait rage, si vous allez sur YouTube et que vous cherchez par exemple, là c'était Kid Katana, donc les créateurs, créatrices. Et la police tue ? Ah, la police tue, comment ça ? Ah, c'est un cop 1. T. Lopez, c'est un copain d'enfance d'un cousin. Ah, cool ! Kid Katana. Du coup, si vous tapez YouTube Kid Katana, vous allez tomber sans doute sur la BO. Les deux sont du Portugal et ont bougé aux US. Attendez, je suis peut-être sur. Alors, Kid Katana. Ah oui, non, j'ai oublié de mettre Kid Katana Records, parce que là, je suis sur Kid Katana. Le gamer. La gameuse. Kid Katana Records. Voilà. Donc, Kid Katana Records, je vous envoie le lien, comme ça vous allez pouvoir récupérer la musique si vous avez envie. Est-ce qu'il y a des. Non. Voilà, et il y a la playlist du coup avec tous les sons, chose que je vais m'empresser tout sans doute de mettre de côté de façon à ce que je puisse avoir accès à ça si jamais on stream, on a besoin de se réveiller. Parce que c'est un peu trop actif. Moi je suis toujours sur Sludge Life en son. Sludge Life qui est incroyable en son, je trouve. Alors je vais vous dire que Sludge Life c'était qui avait fait ça. Qui avait fait le son. C'est peut-être un des seuls que j'ai trouvé du côté de SoundCloud. SoundCloud. Sludge Life. Ouais, faudrait que je fasse un truc à mettre en lien. Parce que j'ai utilisé Tuna pour faire en sorte de vous mettre le son. Vous avez débloqué Casey Jones? Ah bon? Ah bon? Je peux jouer Casey Jones? Ouais, donc c'était ça, c'est SoundCloud Sludge Life. C'était ça. Et c'est Lorem. Est-ce que c'est bien ce que je crois que c'est? On entend la musique là. Salut Marcos! Bienvenue. Attendez, je vérifie parce que ça, on dirait que c'est de la musique retouchée. Ah bah, ça, au revoir, hola estupido. Ah. Lol.
Si tu ne croyais que je ne comprenais pas l'espagnol, sache que ici c'est la modo vénère. Donc, je peux te montrer directement le coin d'aller vers l'extérieur. En tout cas, merci pour le follow. Hein, attends, comment on fait? Pour quelle raison soumettez-vous ce rapport? Je soumets ça pour comportement haineux dans le chat. Non, intimidation ou harcèlement? Non. Je vais mettre comportement haineux. Insulte ou symbole haineux, mais c'est insulte hein, tout de suite, hein, parce que je ne suis pas stupide, je suis quelqu'un quand même d'intelligent, même en espagnol. Lol. Ah, donc je vais mettre insulte. Voilà. Envoyer le signalement, fermer, salut, ciao. Est-ce que tu veux que je t'aide à te diriger vers l'extérieur, par contre? Je ne sais pas si tu as été ban. Je peux essayer si tu veux. On peut faire ça, Marcos. Alors, Marcos 09 221. Ici, c'est les bandes def, hein. Je précise, on n'est pas là pour rigoler. Voilà. Donc moi, j'étais sur le sur la recherche de Sludge Life OST. Est-ce que c'est Lorem? Je ne sais pas, toujours. Non, c'est Micolage Life. Oui, c'est ça, stream. Non, c'est pas ça. C'est Dose One, voilà. Purée, ça a pris 15 ans. Dose One. Non, je vérifie même pas, je m'en fous. En fait, c'est pas que je m'en fous. Je sais que c'est nécessaire pour plusieurs personnes. C'est-à-dire que c'est pas. Moi, je. Ça me. Que ce soit signalé ou pas, je sais que ça va pas être le fait. Ça va pas être fait. Je sais que leur truc nul qu'est Twitch, c'est pas un organe de modération. C'est pour ça aussi que j'ai bourriné la modération. Ça me permet de faire le filtre pour que personne ne voit quoi que ce soit qui puisse se dérouler dans le chat. Et de moi pouvoir signaler et bannir. Après, dans le Discord, en général, je fais la mise à jour aussi de mes listes de bans. Donc, si jamais il y a qui que ce soit qui a besoin d'avoir une liste de bans de gens qui sont passés ici, n'hésitez pas. Voilà. Et moi, l'idée, c'est surtout, voilà, c'est pas que pour moi. Là, par exemple, Hola Estupido, je m'en fous qu'il y ait des gens qui passent pour se faire ban, hein, en vrai. Par contre, je m'en fous moins quand c'est là où je modère ou là où je traîne et que j'apprécie les lives, etc. Chez moi, je préfère ban direct. En vérifiant, j'ai trouvé quelques trolls qui font des comptes sur le même modèle. J'ai ban toute la série en préventif. Oui, bah ça m'a. Oui, bah t'as bien fait. Là, en ce moment, apparemment, c'est le retour des. C'est le retour de l'enfer sur le retour de l'enfer sur les gens qui doxent en plus. J'ai fait détourner des trucs sur Twitter, donc n'hésitez pas. Il y a Twitch Chat qui a sorti aussi, qui a mis à jour son truc suite aux affaires de dox la récente. Pourquoi ça a changé de... Alors, on est en première, merci. Suite au dox récent, il y a eu Twitch Chat qui s'est mis à jour pour avoir un bouton d'urgence qui bloque le chat, qui banne aussi Wizbot, StreamElement, Streamlabs, et ça c'est important. Attendez, je vais peut-être baisser le son, juste 2 minutes. Alors il faut que je vous explique pourquoi, parce qu'en fait le truc c'est que bannir Streamlabs, par exemple moi c'est mon chat, et les boutons et les follow-up, en grosso modo c'est tout ce qui est retour pour savoir combien de personnes sont venues suivre ou autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a un message qui peut être problématique, il s'affiche dans le chat. Il y a aussi des messages qui sont sur Twitch, en tout cas, il y a aussi des profils qui ont des noms problématiques et qui, eux, s'affichent dans le nom de la personne et donc, du coup, qui s'affichent du côté des follow. Ou des subs, ou des. Enfin, un sub c'est rare, mais, parce que c'est con de donner de l'argent. Enfin, après, ils sont cons majoritairement, mais. Enfin, pas non, ils sont. Je sais pas. On peut pas dire con, en tout cas. C'est l'intelligence mal placée, on va dire. Voilà, Durs, merci. Alors, du coup, attends, je vais le repartager si ça te dérange pas, on enlève les balises.
Juste pour que. Voilà, donc tout ce qui est après le point d'exclamation Nagual, tu faut l'enlever, c'est une balise de suivi en fait. Voilà, c'est mieux comme ça. Et si tu veux, je vais supprimer ton message. Comme ça, on fait ça bien. Du coup, l'idée, ouais, c'est que là en ce moment il y a enfin bref Streamlabs c'est ça peut enfin, ça dépend de qui utilise quoi donc par exemple s'il y a un objet de modération qui peut être de l'ordre de l'affichage d'un message comme il y a aussi les text to voice là qui permet de lire les messages qu'il y a dans le chat ça aussi ça fait partie des outils qui peuvent être utilisés par Streamlabs ou Voicebot ou StreamElement et du coup le truc c'est que ça bloque aussi ça. Donc ça met en TO tous les modos, sauf les modos humains, entre guillemets. Et ça, c'est intéressant. Parce que ça va permettre de bloquer tout. Moi, j'ai une manière de faire la modération qui est par ces bots-là, qui permet de filtrer. Mais il y aura toujours besoin de quelqu'un, donc moi en général, pour pouvoir faire la modération finale. Et c'est pour ça que je l'ai écrit aussi dans le chat. Comme ça, tout le monde est au courant quand vous arrivez. C'est-à-dire qu'il y a un premier filtre, le deuxième filtre, et le troisième filtre, et qu'est-ce qui gère quoi, et du coup on peut gérer sur quelle modération est problématique aussi. Pour dire pour finir ce que je voulais dire. Ouais, donc moi le truc que j'ai fait, c'est que c'est même pas du tout. Le dernier des trucs, c'est le truc qui est difficilement gérable et que j'ai dû aussi en plus transporter entre tous les robots que j'ai essayé d'utiliser pour pouvoir voir celui qui m'intéressait le plus. Donc là je suis sur StreamerBot. StreamerBot du coup je le prépare avec l'idée de mix it up. Parce que je l'ai préparé avec la liste par exemple des mots de ban et tout, etc. Mais je l'ai aussi préparé surtout pour l'urgence. Donc en fait c'est une commande que moi j'actionne et que je suis le seul à pouvoir actionner. Et qui va flouder de cœur le chat. On va essayer de voir vite fait dans le jeu, pour revenir au jeu. On va essayer de voir vite fait les objectifs qui nous manquaient. Je reviens avec la musique. C'était 6, 9, je sais plus. Mettre à 6. Ouais. Donc on a des objectifs. Bon, les objectifs de la fin, on va dire qu'on les fait pas, hein, parce que c'est trop compliqué. On va faire les objectifs du début. Alors 2 sur 2, 3 défis. C'était quoi le dernier défi? Et on va remettre de la nourriture. Bon là le prochain game, je rappelle, c'est en multi avec normalement Petit Cancan et Raving Bell. Donc on fera en multi, je sais pas s'il y aura un multi-stream, on verra. Oh non, j'ai été touché! On va recommencer tout de suite. Hein. Retour à la carte. On essaye de faire le premier, mais je pense que ça va être compliqué. Hein. Je pense que ça va être compliqué. Que faudrait que je sais pas si c'est jusqu'au boss ou si le boss il me touche pas non plus. Alors, donc, oui, c'était ça, terminer le niveau sans être blessé, c'est que ça. C'est fini. Je vous le dis direct, c'est fini. On va pas y arriver. Voilà, c'est mort. J'en peux plus de moi-même. Allez. Est-ce que ça sert de faire ce niveau du coup? On va revenir à la carte, ça ne sert à rien. Je ferai cette carte en multi, et je me mettrai derrière Petit Cancan et Raving Bell et je les laisserai jouer. Pendant que moi je fais les objectifs. Qui me manquent, bien entendu. Mais en fait, non, mais ça, en fait, c'est pareil, j'ai déjà fini tous les trucs, en fait, ça sert à rien de rester là. L'intention était là, du moins. Oui, bah, le coup était placé et préparé depuis longtemps, donc c'est vrai que c'est difficile. Ouais, il y en a deux que j'ai pas fait. Ah oui, mais c'est parce que c'est sûr. Oh non, je crois qu'il n'y a pas de. Faut pas se faire toucher encore.
Celui où on conduit. Comment ça? Oh, c'est un trop vite pour moi. Attends, faut peut-être les taper avec quelque chose de particulier. Et pas se faire blesser plus de 3 fois, terminer le niveau sans être blessé, mais... Nick, voilà. J'en peux plus de ce pied. Le... Mais je c'est pas possible. Wow. Je vais tomber. Oh. C'est où? C'est là. Ça va trop vite pour moi. Salut Nelly, à la prochaine. Merci pour le lurk. C'était cool. Pour moi ça va trop vite. Hein. Soit je suis trop près. Je pense que je suis trop près. Voilà, c'est la seule technique que j'ai. C'est le... Voilà, comme ça. Oh, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir, c'est quoi. Oula. Ah non, mais non. Eux, je les aime pas. Là, tout d'un coup, ça a ralenti, vous voyez. Ça me va bien. Je sais pas, c'est balles qui tombent. Là, et là, on a repris de la vitesse. Oui, de attendez, de oui, c'est ça, de mémoire, il faut pas être derrière en fait. Parce que le truc, c'est que si t'es derrière, il y a là. Ah, hop. Quoi? Ah, je suis passé en méga attaque. Je suis super chiant. Ah oui, d'accord, je tape une fois, c'est mort. Ah oui, donc j'ai le droit à un dernier, une dernière capacité, la capacité de bois. D'ailleurs, je passe au niveau 4 et c'est bon. Ah, non! C'était ma dernière! Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. I'm so dégoûted. Du coup, je vais te taper dans le coin de la caméra. Hein, voilà. Mais moi, je peux pas faire les niveaux sans me faire toucher. Hein. Je suis désolé. Hein. Ça me met en rage en fait. C'est pas possible. Juste pas possible. Regarde. Mais on sait même pas. Faut que je regarde les ombres pour pouvoir savoir où je suis. Regardez, en plus c'est même pas ça les obstacles. Tout à l'heure c'était considéré comme un obstacle. Non. Attendez. Non, c'est bon. Pour les obstacles c'est bon. Mais sur 3 sur 3, c'est bon. Alors c'est taper quand même le boss. Mais... C'est la mouche, je crois. On est là. On est là pour faire des 50 sans enchaîner, c'est bon. Hop, bien entendu. Le boss. Ah non, c'est la moto dans le coin. Donc là, l'attendrisseur de tortue. Ah oui, c'est vrai, il faut pas s'approcher de la dernière. Rappelons-le. Ah, là, je touche rien. Mais faut pas aller devant non plus. Mais... C'est le pire des niveaux. Je suis désolé, mais c'est pour ça qu'il y avait... Parce qu'en plus, j'ai l'impression que Michelangelo, il avance quand on tape.
Oui, il avance, il a fait écran encore un peu. Tiens, merde. On va s'arrêter là, hein, de toute façon. Je regarde vite fait les objectifs qui nous restent. Mais... 1h30 de jeu, c'est pas mal. En plus, on a fini le jeu. Retour à la lumière. J'aurais peut-être dû mettre une sorte de petite transition pour aller un peu mieux. Alors là, il y a des défis aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ces défis? Oh, le pied là, tellement vénère. Bon. Pauvre doux. Réveillé dans sa sieste, tabassé par une tortue. Mais le pied là! C'est un tacle illégal. Ouais. Oh, ah oui, c'est vrai que c'est celui qui lèche la. Franchement, les sprites, c'est une tuerie. Hein, qu'ils ont fait. Voilà, reste là. Non, mais tu peux rester là. Merci. C'est quoi marteau pilon? Je l'ai fait une fois. Ah mais faut que j'attrape du coup peut-être, c'est ça, c'est faut que j'attrape quelqu'un. Marteau pilon. Voilà, c'est en attrapant un adversaire, ok. Voilà, ça fait un. Attendez, parce que... Voilà. On est à 3 non. Voilà. Non, 2. C'est passé, j'en ai fait 3. Hein. C'est pas considéré comme un marteau pilon. Monsieur, bonjour. Ah, faut que je tue avec. Attendez, j'essaie de vous attraper. La seconde. Non, toujours pas. Voilà, c'est bon. Ah oui, c'est quelqu'un d'autre que celui que j'attrape. Okay. Aussi des VHS hein, je crois. Ah oui c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait ça.
Oh, c'est la deuxième. Oh là là. Ah non, mais ça, les singes, c'est quand même ça. Enfin, on va aller en bas. En fait, ils sont en train de faire le boulot. Et voilà, c'était un obstacle, niquez-moi. Je viens de recevoir un mail de la boîte, hécatombe de Covid dans le groupe, il commence à recommander de porter le masque, genre si on veut. Non mais non, en fait, c'est pareil de mon côté. Moi j'ai la chance d'avoir arrêté aujourd'hui, c'est fini pour moi le boulot. J'ai arrêté, hein, c'était de trop. Enfin c'était de trop, pas une problème. Il va falloir que j'en retrouve. Mais l'idée là, c'est que c'était n'importe quoi. Il n'y a plus personne qui emporte, on est dans les pires endroits où le Covid traîne, tu vois, genre t'as pas envie. En plus c'était en bureau, la gueule, d'après ce que j'ai compris, en plus c'est ah, c'est chaud, on va fermer quoi. Moi j'ai la chance encore de devoir me déplacer. Donc, enfin la chance pour parler, c'est pas. Salut Nibler, comment ça va? Alors du coup j'arrive, j'ai fini le jeu, j'arrive dans pas longtemps. Juste qu'on fait un petit truc. Si tu veux essayer un truc, mets le point d'exclamation no color. Ah, je l'ai évité. C'est bon ou pas? Voir la version comique du jeu. Donc faut taper le ours de gauche là pour pouvoir bien réussir parce que c'est très compliqué. Enfin moi je le comprends comme ça. Il est chiant l'autre. Avec sa pelle de gauche. Voilà, et je suis tombé dans son trou. Et point d'exclamation, no color. Tapez cette ours. Voilà, c'est bon. C'est pas ouf, hein. C'est pas incroyable non plus. Voilà, c'est pour ça que je hais ce perso. Je le hais de tout mon corps. Petite danse. Dans sa tête. Ah, il m'a mis un chassé de buffle. Petite danse. Et on le chasse, voilà, c'est. Bon, j'ai loupé tous les trucs que j'ai essayé de faire. Comme quoi, je suis pas très bon à faire des objectifs. Hein. Et rester concentré dessus. Voilà, et après, quand on décolore, on revient là. Attendez, est-ce qu'on a trouvé toutes les cartes, toutes les VHS de l'autre là? Non? Ah, bah non, toujours pas. Lui, il a besoin. Réaliser 10 attaques d'équipe en multijoueur. Ranimer un coéquipier. Ah bon, c'est bien. On pourra bien s'amuser en multi du coup.
Je quitte la carte du monde. Alors, je n'aime pas la difficulté. Ah, c'est un... Attends. J'ai pas lu. Il y a un classement? Ah oui, 100 000, 100, 1 million de points. Les autres, le deuxième a 15 000 points. J'ai pas envie. J'ai archi pas envie. C'est ok. Et du coup, le mode multi, je l'ai autorisé. C'est-à-dire que je pourrais, on va voir, créer un groupe, ce que ça donne. Ouais, c'est un chiffre. Le fasse par là. Ah oui. D'accord. Faut qu'on le fasse avec. Comment ça s'appelle? Epic. Alors, du coup, on va aller raider quelqu'un. Qui c'est qu'on va aller raid? Il y a toujours Eva Samech, je sais pas où on est. Ah, on lit la Panic Walk, ça va être magique. Ah oui, bon, on va aller voir ça direct, parce que c'est la Panic Walk écrite par Alex, alias Alexandre, alias, je crois que c'est Alexandre.